après une petite petite nouveauté qu'ils ont rajouté sur les versions. Oh, c'est un requin là! Mais non, c'est pas un requin, c'est un épaulard. Ouais, donc ils ont rajouté pas mal d'animaux. Regardez comment c'est super beau sur l'eau. Hop, un petit épaulard. Salut toi! Ah, c'est magnifique. Hop. Donc je vais vous... Je reviens à ce que je disais. Donc je vais vous montrer une petite nouveauté qu'ils ont rajouté donc dans les GTA sortis sur PC et Xbox, Xbox One et sur PS4. C'est que un peu disséminé dans la carte, il y a des sortes de cactus, et une fois que le personnage les mange, il se transforme en animal. Et donc on peut jouer en animal. Donc là je vais vous en montrer un. Alors je sais pas, ça va être un animal maritime, un animal marin, mais c'est un peu au hasard. Donc moi j'avais déjà joué les polars, j'ai déjà joué en tant que répastenag, et après des animaux aériens et terrestre, mais c'est assez fandard. Donc là je vais essayer de l'atteindre, je vais essayer de pas mourir parce qu'il est nul en apnée, Trevor. Donc on y va. Allez, je vous montre. Alors t'es où? Allez, voilà. Hop, voilà, je recommence. Et c'est parti. Allez, vas-y, mon chou pépère. Allez, dépêche. Voilà. Donc là, hop. On bouffe le petit cactus. Et là, je vais me transformer en... Bah, certainement en dauphin. En dauphin. Oh non, en gros poisson de merde. Swimming. Who am I? I'm me. Fish? What is fish? Fish is this. This is fish. What are you talking about? I forgot. Je me suis transformé en poisson de merde. I forgot everything. Et il nage comme un veau. What's forgetting? Oh bah ça permet de... Allez vas-y Marcel, avance! Bon, ça permet d'un peu d'explorer les fonds. Donc là, je cherchais aussi l'avion, je sais qu'il y en avait un dans la PS3. Et je sais qu'il y a des trucs cachés dans le... Il y a des mallettes avec du fric, d'après mes souvenirs. Mais là il est super bien fait. Pas le poisson, hein. Le poisson il pourrit. Il avance comme un veau. Voilà, en même temps je vais regarder. Ah, on peut pas attaquer. Alors je sais que le chien bon, on peut attaquer. Après moi ce que je recherche, c'est je sais qu'on peut incarner le... En requin blanc. Donc comme ça je me mets en requin blanc et mission, dévorer les baignères. Juste pour délirer. Donc là ça vous permet de voir aussi la qualité du jeu quoi. Bon, graphiquement il est super beau. Alors d'après mes souvenirs, on peut rentrer là. Et ils ont pas mis de caisse. Ah, c'est pas possible ça. Peut-être qu'on le voit pas en étant poisson. Mais d'après mes souvenirs, il y a une mallette au fond de l'eau et tout avec de la thune. Piou piou, je suis un poisson. C'est peut-être là. Bon, si bien je sais qu'après on aura une bouteille de plongée, un sous-marin, donc
J'irai voir avec la bouteille de plongée le sous-marin. Bah non, ils ont tout enlevé. Délire ça. Bah non, bah ils ont enlevé. Peut-être en tant que poisson on voit pas, mais. Donc là je vais vous juste montrer, bah c'est le poisson, c'est un peu courable. Mais j'essaierai de vous montrer. On peut rentrer là-dedans. J'adore. J'essaierai de vous montrer en tant que requin. Là on va délirer. Y'a pas les cadavres. Y'a pas les cadavres. Allez poisson, vas-y, va bouffer. Y'a pas les cadavres encore. Y'a pas les squelettes. Oh non, y'a pas les squelettes. Ils auraient pu mettre les squelettes. Et voilà le deuxième moteur. Donc voilà. Donc bah, vous pouvez trouver les localisations des cactus sur internet. Vous tapez peyote, peyote, P-E-Y-O-T-E, location. Et là, vous aurez la carte avec les différents cactus. Donc il y en a qui sont bien délires, puisqu'on peut être une vache, un cougar, etc. Donc c'est assez sympa. Donc voilà. Allez, je vous laisse. A plus !